Hey, what's up, ma gang de jaseux amateur de cinéma, Johnny là aujourd'hui avec un autre jason ciné. Aujourd'hui, je vous parle de... The, the, the vous parle, je vous parle, c'est un petit aujourd'hui. Je vous parle des films Song, She and the Legend of the Ten Rings, Cop Shop, Venom, Le Derby Carnage, et aussi de la bande-annonce du film House of Gucci. Euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de jason ciné, ça fait... ça va faire un mois, je pense. puis la raison est, c'est que... J'ai recordé mon dernier. J'ai vu Shang-Chi, Sang-Chi, and The Legend of the Ten Rings. Pis j'ai pas été au cinéma pendant trois semaines. Il y a eu des weird de films, des films chick flicks, un film de, euh, je sais pas pourquoi j'ai Silver Sister Long. Un film de Clint Eastwood, Cry Macho, ça a là. c'était mauvais. J'ai vérifié une couple de critiques, les critiques ont planté ce film-là, j'ai parlé à du monde quand t'es le wifi, comme, non, 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 comme, c'est mauvais. J'ai pas été voir ce film-là. Après ça, ma femme, oui, a été au cinéma 100 mois avec son ami War Dear Evan Hansen, quelque chose de même. Puis ça de là, c'était mauvais se garde pour trois semaines, je n'ai pas été au cinéma. Et là, j'ai été voir deux films back-à-back. Deux films -back. Donc, je peux finalement avoir mon trio de films pour vous en parler. Donc, on commence ça avec un film que j'ai vu ça fait un mois. Song Shi and the Legends of the Ten Rings, le dernier film de la, house, de la maison Marvel. Et je lui donne... Un très beau 4.5 Jazu sur 5, très très près du 5 Jazu, mais putafit. Euh, en gros, Sanshi, euh, c'est l'histoire euh, de Sanshi, qui est euh, un enfant euh, de l'Asie, je sais plus exactement de Yule, je ne vais pas dire genre Thaïlande, Chine, Japon, Corée mais en tout cas, il vient de l'Asie, euh, élevé par euh, des parents. Avec des super-pouvoirs. Euh, sa maman avec un super-pouvoir naturel et son papa avec un super-pouvoir surnaturel. J'expliquerai pas ce que je vous dis par là. faut écoutez le film, ça allez gâter ce que je veux dire. Mais turn out que son papa euh, a des pouvoirs surnaturels, mais n'est pas un super bon, euh, bon parti. Très bon parti quand elle a rencontré sa maman et eu son enfant, mais est devenu plus on the dark side par la suite, et lui, euh, Song-shi, euh, sa maman est décédée, puis après ça, ben, il déménage dans, euh, à San Francisco pour avoir une vie très normale, euh, sans savoir que dans le fin-fin-fond de lui, il y a une grosse backstory, et il a des certaines habiletés. Puis on découvre ça au fil, à mesure que le film se passe. Selon moi, et ça c'est comme c'est même pas un bold statement parce qu'il y a plein de monde qui l'a dit, plein de podcasters, plein de critics, et j'agree avec eux autres, c'est que Sang Chi, dans l'univers de Marvel, qui est maintenant passé 20 ans, je pense qu'on a presque rendu à 25 ans depuis le Iron Man numéro 1, est le meilleur stand-alone original story de Marvel. Parce ça, je veux dire, un film qui nous fait découvrir un super-héros pour la première fois, son histoire, sa propre histoire, pas d'autres super-héros qui embarquent avec lui. Genre, c'est comme si Song-Shi, après 30 minutes, Iron Man est arrivé, puis Captain America, puis Spider-Man. Non, c'est un stand-alone movie. C'est. Je vous dis pas que c'est seulement song chi que vous allez voir dans le film comme héros de Marvel, parce que non. Il a des petits caméos, il a des Easter Eggs, mais il n'y a aucun personnage principal de l'univers de Marvel qui interfère avec l'histoire de shang C'est ça qu'on veut dire par stand-alone. Dans le fond, il a le super-héros, c'est son film, c'est lui qui, qui lead. On va ça de même. So, selon moi, c'est le meilleur stand-alone film de l'univers de, de de Marvel. Un film basé énormément, évidemment, sur les arts martiaux. Je pense que vous avez comme quand même compris le concept assez vite. Là. Les scènes d'arts martiaux sont mentales. Les chorégraphies, chorégraphie, moi, sont sur la couche mentales. Euh, Le méchant, euh, tu, ça va sonner bizarre, il y a comme plus qu'un méchant. Il y a comme genre d'un big bad, mais après ça, c'est pas sûr que le big bad est finalement... Peut-être pas tant le Big Bad. Parce qu'il y a d'autres petits machins qui embarquent on and off. Euh, ça, c'est peut-être, selon moi, une des petites failles du film. c'est Puis Marvel a tendance à faire ça. Même dans les Avengers, Thanos, on n'était jamais 100% contre lui. Je ne sais pas si je vous guette ce que je voulais dire. Là. Parce que oui, ça que Thanos voulait faire, oui, ce n'était pas right. Mais c'est tu vraiment pas right au bout de la ligne quand tu y penses, tu sais, là, nope. pas sorti d'abord avec ça, mais je pense que vous vous guettez ce que je veux dire, hein. Parce que il y a toujours deux côtés à une médaille, il y a toujours deux côtés à quelque chose qu'une personne veut faire. Il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais c'est pas en cause que le bon côté, selon toi, est bon, pis que le mauvais est mauvais, que c'est vraiment ça que Là, je vous ai peut-être mêlé, mais nous, dans Shang chi encore une fois, les méchants, ils ont quelque chose que t'es comme What? je un petit peu, mais t'es vraiment pas gentil. Mais en gros, y a beaucoup de monde qui après avoir vu le film et je peux même presque vous comme agreeer, ce que le monde veut voir plus de un des méchants et je vous dirai pas lequel. Um, y a le film, tous les films sont divisés en, en la majorité des films en trois sections. T'es comme le début, plot, development. Oh, l'action et la grande finale. Plot 1, adoré. Plot 2, adoré. Plot 3, j'ai beaucoup aimé, mais selon moi, c'était un petit peu trop. Ils ont peut-être un petit peu trop itéré, c'était peut-être pas nécessaire, tout ça à 100%, mais c'était quand même vraiment bon. 4.5, c'est plus un 4.7, 4.8 sur 5, easy. Euh, je vais absolument le revoir quand il va venir free sur Disney+, plus parce que il y a des bouts... là, je vous dirai pas les spoilers. Il euh, y, y a deux end credits scenes à la fin. Euh, la première, absolument, vaut le coup à 150 millions de pourcents. Ça nous confirme quelque chose qu'on savait déjà, mais ça nous confirme avec d'autres personnages. On est comme, oh yeah! Et la NN à la fin fin fin, ça nous annonce que quelque chose dans le film sera de retour. en mettre ça de main. C'est pas comme un, un, un major end credit scene, mais vaut la peine d'être écouté, parce que sinon, quand cela va arriver dans les prochains films de soit Shang-Chi, euh, ou de l'univers Marvel, vous allez comme, ben, look, hein, what? Vous comprenez le concept, là? Mais, si vous l'avez pas déjà vu, garde ça fait un mois même plus que c'est sorti, si vous l'avez pas déjà vu, vous avez besoin d'être convaincu, garde écoutez-les. C'est un must. Si vous êtes fan de l'univers Marvel, clairement vous l'avez déjà écouté. Si par hasard vous êtes un fan de l'univers Marvel, c'est comme ah oh, moi ouais, moi lui je le connais pas. C'est moi non 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 non. Lui va devenir ben là je, je le... Je le colle parce que c'est pas annoncé officiel, mais il va devenir un des nouveaux Avengers, parce qu'on s'entendait les Avengers, euh, tu sais, Iron Man et Mo, sorry pour le spoiler alert, ben ça fait trois ans. 2-3 euh, ben deux, deux, ans. Euh, Captain America n'est plus là. Euh, so, ça prend Black Panther, il ne sera clairement plus là. Il est décédé. Mais tu sais, lui va devenir un membre essentiel des Avengers. Donc, faut vous l'aimer dans un sens. Il faut vous apprendre à le connaître. Vous apprenez qui ce que c'est. Et on a juste vu le type d'iceberg de quoi je sens que je peux faire. So, ça qui s'en vient, va dire, être extraordinaire. Écoutez-les, absolument. Il y a, y a même des Easter eggs et des caméos que le monde a pas gâté. Je parlais avec mon friend Marky. je suis comme, eh, hey, même moi, quand que lui a pas peur à Jassy tu t'es comme, pourquoi? Je suis comme, ben, bah, tu te rappelles pas de lui? Je suis censé m'en rappeler de lui. Le jeune homme de quoi? Oh taba! J'ai pas pas mis ça en toi, Je comme moi. Wow. Il y a plein d'affaires de même dans ce film-là. C'est vraiment sharp. Très bon job de Marvel. Marvel, honnêtement, qui ne déçoit jamais. rendu à ce point-là, on peut carrément dire soul um, So, allez voir Sang-Chi, absolument. Uh, vous allez capoter Puis si vous aimez pas ça, vous avez le droit de pas aimer soul Mais um, sortez vos arguments. Parce que selon moi, ce film-là, il y a un petit bijou. Et voilà. On continue ça avec Cop Shop, qui était vraiment un film d'esprit pour moi. C'était rendu à la troisième semaine de film que j'allais pas au cinéma. Moi, je suis comme calvaire. Faut que je fasse de quoi. Um, so, un film avec Gérard C'est-tu Gérard ou Gérald? Moi, c'était Christy D'acteur-là, Il est dans toutes les gardes de films qui existent pas. Mais à chaque fois, je pense c'est Gérard Gerard. Moi, Gerard Butler. Le connaît, Olympus has fallen pis name it, puis 300. Il y a aussi Frank Griot là-dedans, qui est, euh, un des anciens méchants de l'univers Marvel. Là. Je me rappelle plus de son nom, mais oui, il y avait un masque de squelettes, là. Et on a aussi une nouvelle découverte pour moi que, honnêtement, je n'avais jamais vue avant. Jamais entendu son nom. Première fois que je la remarquais. Euh, Alexis Lauder. Puis là, juste pour le fun et vite, je vais acheter les dans le cas que c'est elle, elle a joué. Parce que, c'est la première fois que je peux noter que je l'ai vu. Si elle a joué dans Tomorrow's War. Oh non, ça, ça, je l'ai même pas vu. Elle a moins joué dans les téléséries spicaux. Bon, elle a joué dans Watchmen, la télé-série, tout, je ne me rappelle même pas elle euh, Niveau film. Juste vite fait. Euh, my god, il n'y a absolument rien qu'elle a joué dedans. Ok, tu vois, dans Black Panther, c'était une des Ni Nigerian Women numéro 2. C'est ça que son titre, c'est à MDB. Clairement, t'es dans le bag, dans le bag store pour la voyer une fraction de seconde. Ça, c'est un, un petit peu normal pour que j'ai jamais vu. Mais oui anyway, Alexis Lauder, pis, pour prédire que ça, ça va être son, son major coming out, ben, pour moi, oui. Performance sublime, j'étais comme, non, ben, de use que elle assaut, pour vrai. En gros, <laughs> c'est un petit peu comme, oh, ben, regarde, je vous donne une manette, c'est vrai. Cop je lui donne un 3 jasus sur 5. Euh, un bon trois jours On met mettre ça de main. Parce que ce film-là, c'était mon premier film en trois semaines. Je suis comme garde, là, faut je de quoi. J'ai vu ça, je suis comme Ah! Film d'action. J'ai même pas écouté la trailer. Je me dis, garde, je me laisse surprendre. Et. Pas pour rien dire j'ai été surpris. Je peux pas dire que j'ai tombé sur le cul. Mais j'ai aimé ça. Moi j'essaie d'expliquer ça. dans le fond, l'histoire se passe à 98% dans une police station. Euh, quand même une grande police station avec. Avec des euh, des maximum security euh, prison en bas, il y a des pleins d'offices en haut. C'est comme une grosse police station. Ça se passe le soir. y Il a ce random gars-là qui est arrêté, mais qui s'est fait arrêter par exprès. Donc lui, il voulait aller en prison. Et on ne sait pas pourquoi. Mais après, le sans vous dire pourquoi, après, on comprend. C'est Frank Rio dans le fond. Euh, on le voit débarquer d'un auto. Rempli de balles de fusils, il saigne un petit peu. S'en va à un casino où il y a une espèce de riot avec des, 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 des du monde qui est là puis des policiers. Lui il voit une police, la nogue dans la face, il le remoisson, l'envoie à la prison. Il est bien content, il est dans sa cellule puis il attend. Bon là je suis comme ok, ben oui clairement il y a une raison pour je ce que lui vide là. Et là le personnage de Gerard Butler arrive et on comprend pourquoi qu'il voulait aller en prison. On va mettre dans guillemets en sécurité c'est so Gerard Butler qui est un hitman mais turn out que les deux sont des hitmen il y en a un Frank Grio est un hitman de luxe ok je vous dirais pas dans quel univers ben dans quel monde qu'il y ait un hitman mais il y a un hitman de luxe et Gerard Butler qui est un hitman on va dire euh, welfare mais il s'est fait dans le fond payer pour aller tuer Frank Griot. mais ben là pourquoi tout tourne autour de ça puis plus le film avance le shit show is going down dans la police station. il euh, y a des bouts c'est comics, c'est tu censé être comique je pense que oui. Il y a une petite touche d'humour dans le film puis moi je trouvais ça cool. Euh, un petit peu gory-ish. et des bouts j'étais comme Il <laughs> dégueulasse. Mais tu sais c'est pas pas bad, c'est pas à la sorte qui se coupe un bras là, tu sais là. mais euh... Oh, c'est un film très prévisible, regarde, au final, comme bas, quand c'est qu'il va sortir, hop, il sort là, parfait, je l'avais vu c'est à mais il y a des bons bouts d'action, des bons bouts de comique. Puis, moi, mon highlight, c'est Mr. Balloon, ok? Je vous dis pas c'est qui, je vous dis pas quand c'est arrive dans le film, mais la seconde que vous voyez la mention Mr. Balloon, assisez-vous droit sur votre siège, je le fais une commande. On, on va mettre ça comme ça, OK? Mr. Balloon qui vole le show dans ce film-là, euh, la fin imprévisible, le acting, garde. Autre que Alexis Lauder, c'est Gerard Butler, il est fine là-dedans. Frank Rio, ça m'a pris un bout à leur reconnaître parce qu'il est comme une barbiche, biche, puis ça lui change complètement la face. Là. Mais c'est un bon divertissement. Tu sais, honnêtement, si vous avez rien à faire, rien à voir, que la seule sortie que vous pouvez faire à cause de la COVID, parce que vous avez votre passeport vaccinal, c'est aller au cinéma, puis vous êtes comme Bah, bon, quoi j'écoute? Un film d'amour pourri en D-Rancine Patatatan ou Corp Shop. Prenez Corp Shop. Vous allez. Pas adorer ça vous allez pas détester ça vous allez aimer ça et peut-être beaucoup aimer ça moi je donne un 3 un généreux non excuse un beau 3 genre sur 5 j'arrête pas à la 3.5 mais je suis comme oh non un c'est j'essaie de garder mes notes plus, oh, pour des films que qui vaut vraiment 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 la peine T'sais, ça je content de l'avoir vu j'ai pas été déçu mais je l'écouterai-tu de nouveau demain non parce qu'il y a plus rien qui va me surprendre il y a plus rien que je vais être comme ah oh, cool non c'est toute n'y tout a, a pas de scène d'action à la sang chute de Oh les fric comment est-ce qu'ils ont fait ça? C'est pow pow paup, tchik tchik tchik, nan c'est ça que c'est. So, c'est ça que c'est pour Cop Shop. Et là, avant de parler de mon dernier film, faut que je prenne une petite drink parce que. N'est-ce pas à le prochain? Bon, on parle du. Ben là, le deuxième film Marvel de l'émission, anciennement Sony, mais là, c'est officiellement Marvel. Venom. 2 ou mieux connu sous le nom de Venom Let Derby Carnage tu sais comme ils veulent tout de suite mettre des longs Christine de nom so, en gros c'est les mêmes personnages, on a encore euh, Tom Hardy qui est Venom euh, pis après ça il y a Michel, euh, en tout cas elle qui était dans euh, Dawson's Creek là, euh, qui est l'ancienne la, flamme à, euh, à Venom, puis ben si vous avez écouté le du, by the way ma note change pas je vous donne un 3 joueurs sur 5 je lui, actually, je lui donne un 2.5 genre sur 5. Mais là, vous êtes comme Jonathan? Tu viens de dire tu donnes 3 genre sur 5? Oui, je vous explique de où le point .5 après vient. Parce que le point .5 n'est pas pour le film. So, je l'ai mis ensemble parce que c'est la seule façon que je peux faire ça, c'est le show. Mais le film Venom, Let There Be Carnage, a 2.5. Et je m'explique après. So, en gros. Si vous écoutez le premier, à la fin, fin, fin du film, end credit, on a Cletus Cassidy joué par Woody Harrelson, aka Carnage, qui n'est pas encore Carnage, à la fin du 1. On voit Woody Harrelson dans son, avec son visage très, très hilarant, avec des cheveux bouclés, très bouclés niveau permanente, euh, orange. Ce film-là commence, première chose. Ce film-là commence, et on revoit Cletus Cassidy, parce que clairement, <laughs> c'est lui le méchant en lui. Plus de cheveux bouclés, cheveux bien normal, plat. Euh, Moi raid là, je suis comme bon. En prison, à guess que t'as pourrait avoir la porte maintenant, pourquoi? Si tu pouvais mettre les cheveux lisses dans un, mais les cheveux lisses dans la end Credit scene. C'est-tu que dans le un, ils sont assez su qu'il allait pas avoir une suite, ils ont dit fuck it. Sti. On va mettre une perruque de, de McDonald's l'esprit puis il y a personne qui va venir. Le monde n'y verra que du feu, mais ben moi ça j'aime pas ça. Moi je m'attendais à voir avec Chris qui dit avec sa belle euh, sa carrot top euh, perruque. Tout ça ça n'a pas arrivé, je comme bon. John, c'est une des cheveux pass over. Mais en gros, c'est basically... Euh, encore une fois, Tom Hardy a un 2 sur 5 à l'utile. Sa performance qui sauto parle, s'auto-convainc avec Venom, c'est sublime, c'est wow, c'est juste beau ce qu'il fait là. Après ça, ben, t'as Carnage qui embarque là-dedans. Je vous dirai pas comment Carnage est devenu Carnage, parce que c'est pas un sport action, on le voit dans le trailer. Euh, Tom euh, va le voir. Ben, Venom, ben pas Venom, mais Tom, qu'est-ce qu que son nom s'est là-dedans? Euh... Venom, venom, ben, 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 ben. Brock. Heidi va voir Cletus Cassidy pour sa, sa dernière confession avant d'aller sur la chaise électrique. Et ben, dans le fond, pas la chaise électrique, sur la peine de mort. Il va se faire injecter le, le stuff ou la peine de mort. Puis, il meurt <laughs> parce peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, vous dire pas. Il meurt venom. Ben, cela, dans le fond, il avale du sang. Et ce sang-là, c'est un symbiote. Et ce symbiote-là voit dans le corps de Cleus Cassidy et devient Carnage. Puis là-dedans, il y a une histoire d'amour que Cleus Cassidy, quand il était plus jeune, avait une histoire d'amour avec une fille. La fille euh, qui est nommée, je suis allé de ça je suis nommée, ou cest son nom de. Son nom de méchant, là, mais c'est même. Euh. Mais ben, là. T'es où? Ah, c'est parce que je suis dans le premier. Ah, t'es pas dans le premier. C'est son nom. Ben, minute, là. Pourquoi est-ce qu'il en met même pas dans les credits? C'est Shriek? C'est Shriek, dans le fond, la méchante, c'est ça que son nom, là. Mais, euh... Ah, France Barrison, Son enfant, il y a une histoire d'amour avec elle, qui elle aussi est dans un asile psychiatrique. Puis, ben, ils se sont, ils se sont séparés pendant. Euh, 20, quelque chose d'année. puis ben, ils se retrouveront. Il y a une petite histoire d'amour en arrière de là. Petite histoire d'amour, gars, qui est comme une petite queue dans encore une foule, mais patati patata, dans Venom, il peut pas avoir une histoire d'amour, moi, là. Mais, so, c'est, <laughs> c'est une grosse affaire. So, en gros, c'est Venom qui deal avec Eddie Brock, qui se font une chicane, ça marche plus pis là-dedans, t'as Venom qui take over, euh, t'as Car euh, Carnage qui take over avec Shriek qui va, euh, conquérir le monde. Après ça, ben là, t'as Venom qui faut qu'il affronte Carnage. Les graphiques sont bien faits. Euh, certains bouts, je suis comme, oh my god, video game à 100 à l'heure, Mais bon, regardez, des moi Mais ça que j'ai pas aimé, c'est que, un, le film est 1h34, je pense. <laughs> comme. Et, avant d'aller dans ce négatif-là, c'est que je crois vraiment que la COVID a fait chier ce film-là. Le film n'aurait pas été en bas de deux heures. In my book, il y avait beaucoup de développement qui n'a pas été mis et qui, selon moi, n'a pas été mis parce que ça n'a pas été filmé à cause de la COVID. So, faut que je le blanc sur la COVID, mais reste que le film, ils l'ont style sorti. Ils ont style dit, garde. that's good enough, on sort avec. It is what it is. Mais... Moi, il y a trop d'humour dans le film, ok Un film de monstre de même, oui je comprends, faut qu'il y ait de l'humour entre Venom et Eddie Brock, c'est alright. Dans le premier, c'était bien dosé, c'était parfait là-dedans. Il y en a juste trop. C'était pas nécessaire, C'est tiré par les cheveux. C'est souvent des jokes, j'étais comme, hein. Même pas comique. Si t'es pour mettre de l'humour, mettre l'humour à la Deadpool que tu pisses à tes culottes à chaque joke, ça, c'était aucunement le cas. Sur le film, il est pas assez long, manque de développement énormément trop comique, inutilement, carrément, je vais dire de même, saccadé, coupé, l'histoire ne fait pas de sens, il manque des bouts, il manque juste des bouts. So, le film, regarde, le plus bel exemple, c'est le film, c'est un film. That's it. Puis moi, quelque chose que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a beaucoup de, de podcasts qui disent, regarde, si t'as aimé le premier, tu vas aimer le deuxième. Oh, freak that! J'ai adoré le premier et j'ai pas aimé pas de le deuxième ça, ce n'est pas vrai hein. ça. ça se peut vous n'avez pas aimé le premier, vous allez adorer celui-là. parce que la faille, il y a beaucoup de monde dans l'univers comme, qui... ben dans l'univers, dans l'univers de Venom qui trippe sur Carnage. ça so, c'est finalement le temps on va voir Carnage puis garde ça tombe flat c'est me. tu mais pour le film 2.5 puis je trouve même c'est un 2.5 généreux. Euh, je donne quand même 2.5 parce que L'aspect Covid, je suis sûr su que ça y a un impact là-dedans, à 100%, parce que c'est Andy Circus qui fait le film, slash Gollum, un producer incroyable qui a fait le remake de la planète des singes, qui était un chef-d'œuvre. Ce gars-là, avec tous les moyens et le temps, c'est pas vrai que c'est ça qu'il a pu faire. Ça t'est coupé, ça t'est rushé, puis mais ils ont, Still dit oui, qu'ils sortait avec ça. So, c'est eux autres qui vont payer la note pour ma note, mais, je suis sûr que si la COVID n'aurait pas été là-dedans, on aurait eu un film de presque deux heures, pas de plot, plot, hole, way meilleur que ça. So, là, ok, là, je vais parler. Garde, je vais parler de la bande-annonce. Après ça, vous pouvez finir le show si vous n'avez pas vu Venom, parce que selon moi, c'est trop important, il faut que je parle de la end credit scene de Venom. Ce fait que, je parle vite fait, je, j'enlève je, ça de là. Je vais vous dire quand, là. Écoutez vous pas, je vais vous mettre un spoiler alert, là. So, on change ça, et on change ça. House of Gucci, un film. Basé sur des faits très réels de la brand Gucci, de la famille Gucci, euh, sortira le 24 novembre 2001 un film de Ridley Scott avec une brochette d'acteurs, mesdames et messieurs, tenez-vous bien en place, Lady Gaga, Adam Driver, Hal Pacino, Salma Hayek, Jeremy Iron et Jared Ledo qui là-dedans est méconnaissable. Ça tourne autour de l'histoire de euh, la, la nouvelle flamme dans la vie euh, du plus jeune euh, de la famille Gucci est, elle est jouée par Lady Gaga qui elle veut take it over l'empire de Gucci elle veut dans le fond que la vieille marde qui est là, les, les plus vieux frères de, 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 de la famille Gucci décolle parce qu'elle trouve que la brand ne grandit pas n'est pas à nos jours et tout, 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 tout tourne autour de que elle engage un hitman pour tuer euh, XYZ. Ça tourne autour de ce film-là. Moi, je pense que ça va être mental. Parce que un, je ne savais même pas qu'il y avait cette background story-là à la brain Gucci. Sur Là, je suis comme Oh shit. Et avez-vous vu la brochette d'acteur? Il y a du Academy Award winner et du Academy Award nominé là-dedans. Ça va être mental. Ça saute dans un mois et demi. Euh, ça fait que, écoutez ça. House of Gucci, mais j'ai mis la trailer sur allez écouter la trailer. Bon. Spoiler alert! Pim, 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 spoiler alert! Si vous n'avez pas vu Venom Let There Be Carnage, à partir de maintenant, je ne suis pas responsable de si vous écoutez ou pas. De divulgacheur, Jonathan, le spoiler Johnny is on board. Je parle de la end credit scene de Venom Let There Be Carnage. Dernier warning, je vous donne deux secondes. C'est que si vous êtes en cours là, c'est parce que vous voulez l'entendre. Et voilà premièrement, il n'a pas de end credit scene. T'as le film fini, t'as deux minutes de credit avec des, 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 des genre de show, de, de, etc., de, de dessin, so whatever. Et t'as une mid credit scene. Mais y a pas de film à la fin, à la fin, à la fin du film. So, et voilà. La Incredit Scene commence avec Venom, qui est sur le. dans une villa sur le bord de la mer, ben, Eddie Brock, qui parle à Venom. Puis dans le fond, ils se disent comme que Venom, lui, a passé plusieurs univers, pis tout ça, patati patata. Puis là, ben, Eddie, comme ben, tu pourrais-tu nous montrer ce que tu as déjà vécu? Parfait. Et ils commençons à en bon, commençant Woman pull, à voir ce que lui a vu, et tout d'un coup, boum, un gros boom! Il se réveille dans un hôtel très chic ils sont comme what the heck what just happened man did you do that d'abord mm -hmm. Eddie Monde à Avenged Venom que c'est lui qui a fait ça il est comme no I didn't do anything I wasn't even even started puis là ben il se lève du lit regarde à la télévision et qui est à la télévision J.K. Simmons le fameux journaliste de merde de l'univers de Spider-Man et ce qu'on voit à la télévision est la fin 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 du dernier film de Spider-Man quand que Peter Parker est dévoilé au grand jour comme un méchant. Et c'est Tom Holland qui est dessus. So. Mesdames et messieurs, The Multiverse has blown the fuck out. Venom est maintenant officiellement dans l'univers de Marvel qu'on connaît. L'univers avec Tom Holland comme Spider-Man. Ça qui va, si qu'on met tout en arrière, la thriller de No Way Home, le prochain film de Spider-Man qui sort à Noël. On avait, on parlait des Sinister Six, ben, il en manquait un sixième Sinister Six. C'est Venom! C'est Venom, esprit! Moi, j'ai lâché le whack dans le cinéma. Je suis comme, no way! I guess que, encore une fois, j'ai je, je beaucoup parlé de podcast, mais tout le monde qui a vu le film en, avec des grosses salles, le, la réaction a été incroyable. So, mesdames et messieurs, Venom fera son entrée, tout porte à croire, ça peut être officialisé, tout comme, là, fera son entrée dans le prochain film de Spider-Man, No Way Home, avec Sandman, Raptor, Green Goblin, Doctor Octopus, et Vulture, dans les Sinister Six. Oh my god! C'est ça que c'est. Comme, je suis tellement excité. Et c'est ça qui est le point .5 d'extra. Juste ça. Valait la peine de voir le film. Okay? C'est bien, je dis point .5. Je vois qu'il se met à donner un juste pour ça. Parce que mon, mon 2.5, je le trouvais généreux, ça so, voilà, mesdames et messieurs. Venom est officiellement dans l'univers de Marvel qu'on connaît avec les Doctor Strange puis la hauche à tu sais. J'ai tellement hâte à no way home non mais tellement hot mais avant No Way Home il y a Eternals Les Et Eternals vas-tu mettre Crossy de quoi no, on sait pas encore so, peut-être que Eternals va chuffer d'autres choses qu'il va y avoir dans No Way Home tu sais anyway merci beaucoup d'avoir écouté si t'es tout excité que moi pourquoi ce qu'on a vu à la fin de Venom notre de Derry Connors laissez-moi savoir moi j'étais un peu en place sur ce de John Lange pour un autre Jardin Ciné merci d'avoir écouté euh pff.